droite avant le moment que nous attendons tous, c'est-à-dire le spectacle lui-même, n'est-ce pas, Maryse Morin? Tout à fait. Alors, dans les jours qui vont venir, tout près, puisque c'est samedi, vendredi et samedi. Vendredi, à quelle heure? Alors, disons que les guichets sont ouverts à 19h30, le spectacle commencera à la nuit tombée, 21h30 environ. Et ce samedi, même chose? Même chose. Très bien. On attend évidemment beaucoup de personnes à Bois-Dauphin à présigner. Eh bien, écoutez, nous l'espérons, puisque l'année dernière, nous avons tourné à guichet fermé. Cette année, nous proposons 1500 places à chaque fois. Bon. Le premier spectacle s'appelait? S'appelait Pressigné toute une histoire. Et nous avons donné son nom à notre association. Bon, celui de l'année prochaine? Ah là, celui de l'année prochaine, c'est un secret, je ne dévoile pas. Mais ce sera toujours sur la base d'une histoire qui s'est déroulée là-bas. Toujours l'histoire locale. Je me souviens avoir lu le livre en question et il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Notamment au cours du siècle dernier, par exemple. C'est pas dans ce sens-là que vous allez aller? Non. Non, non, je pense pas. Bon, d'accord. Voilà. Premier indice. Très bien. On va découvrir la dernière partie de cette histoire que vous nous contez. Oui. C'est le Second Empire. C'est le Second Empire, avec un personnage très important. Un personnage magnifique. Alors, cette robe, c'est une robe... À crinoline. À crinoline, comme toutes les femmes rêvent d'en porter. Madame la Comtesse, bonjour. Merci de vous présenter. Je suis Valentine de Ganay, comtesse de Rougé, et j'ai épousé Emmanuel de Rougé, fils de Camille de Rougé et d'Adélaïde de la Porte de Riantz. Et surtout, vous avez épousé un homme ô combien important. Oui, tout à fait, il était égyptologue, il était conservateur aussi au musée égyptien du Louvre. Alors, égyptologue connu? Connu, absolument. Il a pris la suite de Champollion pour décrypter les hiéroglyphes, les fameux hiéroglyphes. Et il est parti en 1863 sur les ordres de Napoléon III faire une expédition en Égypte avec son fils Jacques et Aymar de Banville, un photographe qui a ramené plus de 200 clichés de cette expédition. Ça lui a valu des honneurs? La Légion d'honneur, s'il vous plaît, et le titre de sénateur. Malheureusement, Napoléon III n'a pas eu le temps de promulguer ce titre de sénateur puisque la défaite de Sedan est arrivée et malheureusement, l'Empire s'est écroulé. Et alors, Madame la Comtesse, vous êtes aussi une hôtesse hors pair, puisque c'est ce que vous vivez à l'intérieur du spectacle, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et en fait, on a organisé le bal pour fêter le retour d'Égypte de mon époux et de mon fils. Un bal fastueux? Un bal fastueux avec des antiquités qui ont été confectionnées par nos bénévoles. Et je garde le secret, mais elles sont magnifiques. Bon, bah pour les connaître, il faut aller les découvrir sur place. On l'a bien compris. Merci de nous avoir fait partager un petit peu ces riches heures de Bois-Dauphin. Donc tous rendez-vous ce vendredi et ce samedi à Pressigné. Merci.